L'eau est la substance liquide la plus répandue sur la Terre. Plus de 70% de la surface du globe en est recouverte, mais malheureusement, l'accès à cette denrée indispensable reste difficile pour plusieurs ménages de Kinshasa. Les ménages se débrouillent comme ils peuvent, pourvu qu'ils aient de l'eau pour leurs besoins. Les habitants de certains quartiers construisent de puits ordinaires qu'ils creusent dans leurs parcelles pour recueillir l'eau. Donc, maï penza eza passe, surtout na lemba, maï koma passe. Boko benda tu es koti, mais maï ebi matin. La consommation de l'eau de puits n'est pas néfaste pour la santé, à condition que le norme de la construction du puits soit respecté. Mais au cas contraire, ces eaux sont à l'origine de plusieurs contaminations. Il provient d'un puits qui répond aux normes, est une eau potable. Sauf, il peut arriver que cette eau soit contaminée. Par des murailles qui entourent, par le couvercle ou la cuvette. Et il y a des puits qu'on construise à côté de fosses septiques. Automatiquement, cette eau est contaminée. Il y a des puits qui ne sont pas profondes. Automatiquement, cette eau n'est pas potable. Notez que les autorités ont initié la construction d'une très grande usine de traitement d'eau à Lembaïmbou. Ceci pour résoudre le problème d'eau dans les communes de l'Est de Kinshasa.